connaissez la voix. Je suis El Mouki, le messager, l'homme des mille pouvoirs. Le président du coupé décalé du 21e et du 22e siècle. Tous avions écouté les révélations choquantes de DJ El Mouki dans l'émission Accusé Levez-vous sur Trace FM. Guillermo m'a dragué. Il m'a dit El Mouki, je suis amoureux de toi. Je lui ai répondu que je ne suis pas intéressé par ce genre de relation et que je connaissais plusieurs homos avec qui je pouvais le mettre en contact s'il le souhaitait. Coucou, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir. Alors cette petite vidéo c'est pour vous. Il m'a rétorqué que c'est moi qu'il voulait. Pour me convaincre, il m'a même fait savoir que pour évoluer dans la musique il fallait passer par là, être homosexuel, ajoutant qu'il a même fait avec Serge Benoît et Molaré. Aïcha Kone, diva de la musique africaine, recadre son neveu quant aux propos qu'il a eu à tenir à l'encontre du choriste Guillermo. Que les médias arrêtent de lui accorder des interviews. L'artiste DJ El Mouki est mon neveu. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Je ne cesse de lui dire de faire preuve de sagesse dans ses sorties sur les réseaux sociaux. Ou toutes ces personnes qui feront des fautes. Car une personne qui a le pouvoir est... Mais il n'en fait que à sa tête. La première fois j'ai eu à présenter des excuses à mon fils Molaré. Il a encore tenu des propos qui m'indignent et m'exaspèrent sur une chaîne de radio. Qu'il respecte la vie privée des autres. J'espère que le public me comprendra. Je présente mes excuses à tous ceux qui l'ont choqué et vexé. Je demande humblement à tous ces acteurs des médias qui ont de la considération, de l'estime pour ma modeste personne de ne plus accorder des interviews à mon neveu. DJ El Mouki est certes mon neveu, mais de grâce que les internautes n'associent pas mon image aux propos qu'il tient. Encore une fois, pardon à tout le monde et à tous ces artistes pour qui je voue un respect.